Vous allez me demander, mais pourquoi vous êtes en train de dire Abraham? Est-ce que et qu'est-ce qui montre aussi que ses enfants avaient aussi suivi la ligne de leur grand-père? Qu'est-ce qui nous montre que sa progéniture avait fait la continuité de leur père? Première chose. Jambo la kwanza. Tuende kwa Rebecca. Allons chez Rebecca. Genèse 26:34. Mwanzo makumi na sita. Makumi tatu na ine. Mwone. Voyez. Abraham. Abrahamu. Mwenye nenda oa ni nani? Celui qui va se marier c'est qui? Isaac. C'est Isaac. Si Isaac njoba liletia Rebecca. Mais c'est Isaac à qui on a apporté Rebecca. Oui ou non? Amen, amen. Sivyo. C'est ça. Na kama hubijue, et si tu ne le connais pas, Isaac, Isaac njoba liendaka letia Rebecca. C'était à lui qu'on avait apporté Rebecca. Oui. Tuende sasa vile uyu mama na yakisha fika mu nyumba wa Isaac akakesha batoto nabo basiende mu madeta. Suivant maintenant, quand Rebecca était arrivée dans le foyer d'Isaac, elle avait aussi veillé pour que les enfants suivent toujours la ligne. Munisikie wazazi wapenzi. Écoutez-moi mes chers parents. Si seme ke mtoto hawezi kushinda. Je ne dis pas que l'enfant ne peut pas être difficile. Tunaamini kuna batoto. J'ai aussi des enfants. Oui. Mais lakini bishindikane que ça devient difficile na batu banayua et que les gens savent baba lifanya yake yote, le papa a fait tout ce qu'il pouvait, mama lifanya yake la yote, maman a fait sa part, mtoto ndio ameshindikana et c'est l'enfant qui est devenu mais usikutaniwe na huko mkope. Mais il ne faut pas que toi aussi tu sois associé à l'équipe. Amen, amen. Dans cette chose, amen, amen. Mtoto shindikane, que l'enfant soit délinquant, na batu ba constater que et que les gens constatent alishindikana, c'est l'enfant qui est devenu difficile. OK, ça va. Mtoto shindikane, que l'enfant devient difficile, na batumishi balifanya yao yote, les serviteurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais isionekane kuko mtumishi mwenye iko nyuma yabyo, mais qu'il n'est pas, qu'on ne puisse pas constater qu'il y a un serviteur iko na bichochelo ya et qui est en train de réchauffer cela giza dans l'obscurité, sawa mpanda mbegu chafu katika shamba, comme les semeurs de mauvaises semences dans les champs. Je vais vous dire ceci. Cette prédication. Cette prédication. Muikamate avec trop de sérieux. Saisissez-la avec trop de sérieux. C'est celui qui nous distingue avec plusieurs églises. La polygamie. Et la polygamie. Alors, muyuwe tunakamatiaka wapi? Maintenant, vous devez savoir par où nous saisissons. Amen, amen. Si vous avez ce critiqué, le jour que tu écouteras, on est en train de me critiquer. Tu vas choisir soit de prendre cette position ou prendre la position de la parole, ou aussi entrer dans les critiqueurs. Oh, il est parti juste dans les citations. Amen aussi tes citations. Amen, amen. Genèse 26:34. Et Esaü, âgé de 40 ans. Prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmat, fille de l'homme, le Héthien. Akatwa Judita, binti wa Beheri, Muhivi, Muhiti, na Beshemati, binti wa Elonu. Isaka Muhiti alizalanaka na Rebeka batoto ba deux. Isaac avait enfanté deux enfants avec Rebeka. Wa kwanza ni Esau. Le premier c'est Esau. Wa pili ni Jacob. Le deuxième c'était Jacob. Uyu mtoto Isau mwenye nazaliwa kwa Isaka na Rebeka. Ce fils Esau qui a été né par Isaac et Rebeka. Akisha komala. Quand il eut de l'âge. Akaleta banamuke mbili. Il avait pris deux femmes. Siki garçon qui nashindikana. Mais c'est un garçon délinquant. Kamuna sao kama na kilishaka uzisha uzaliwa wa kwanza. Est-ce que vous ignorez qu'il avait même vendu les deux? Est-ce que huyu njo mungali mnango yako kitu? Mais c'est celui-ci si laquelle vous pouvez vous attendre. Si balishaka mkula na buzaliwa wa kwanza. On a déjà ravi les droits de naissance. Muna muteta ko nini huyu? Et qu'est-ce que vous pouvez attendre chez lui? Hakulizaka shauri. Il n'avait même pas demandé conseil. Amen, amen. Esaü âgé de 40 ans. Esaü alipokuwa na miaka 40. Prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien. Akatwa Judita binti wa Beeri Muhiti. Et Basmat fille de l'on le Héthien. Na Basmati binti wa Eloni Muhiti pia. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Ikawa chanzo cha uchungu mwingi moyoni. Uchungu mwingi katika
moyo wa Isaka na Rebeka mama. Ah baba na muke. Cette femme. Denye y garçon il vient d'aller. Quand ce garçon avait pris comme femme. Chanzo ta Isaka na Rebeka. Fire le sujet d'amertume dans les cœurs de leurs parents. Kuatia moyo uchu. Amen. Il a semé d'amertume dans les cœurs des parents. Verset 46. Rebecca dit à Isaac. Rebecca kamwambia Isaac. Je suis dégoûté de la vie. Nina kifu kuishi. Nasikia kuishi habinifalie tena. Je sens que vivre ça ne me vaut plus rien. Kuishi inani kifu. À cause des filles de Heti. Sababu ya wabinti ya Wahiti. Si Jacob prend une fille comme celle-ci. Kama Yakobo na yatatua binti sawa huyu. Parmi les filles de Heti. Miongoni mwa binti ya Wahiti. Parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Akatua mke miongoni mwa binti ya mwaiinchi, kuishi inanifalia nini? Isaac appela Jacob. Isaac akaita Yakobo. Le béni akambariki. Et lui donna cet ordre. Na kamupa agizo hii. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Kwamba usitwalake mwanamke miongoni mwa binti ya Wakanani. C'est ça. Mama napigwa na kinyongo. La maman est saisie d'amertume. Kina munyonga. Sal le mettre mal à l'aise. Anambia bwana yake. Il dit à son on a banamuke grand frère yake analeta. Regarde maintenant les femmes dont Esaü nous a apporté. Nasikia hamu ya kuishi na niisha ndani. C'est ça même que je suis dégoûté de la vie. Kama sasa huyu petit naye anaenda wa hivi hivi. Maintenant si Isaac aussi commettrait la même chose. Kuishi yangu sasa inafanya. Maintenant à quoi me servirait de vivre? Kuishi yangu. Ma vie. Nitaishi aye na bakazana bapagani. Maintenant comment je dois vivre avec mes belles filles païennes? Baba kamuita. Les parents, les papas l'ont appelé. Akamubariki. Il l'a béni. Mais akamupa condition. Mais il lui avait donné une condition. Weye, toi, nakubariki. Je te bénis. Mais aussi pimak. Mais n'ose pas. Kuwa mu bakanana. Amen. Te marier à des cananéennes. Kwamba nge pima. C'est-à-dire si l'osait. Baraka zingenda. Les bénédictions devraient partir. Amen, amen. Nani ule? Qui est celui-là? Isaac. C'était Isaac. Na. Jacob. Jacob. C'était Jacob. Anambiliwa. On na baba na mama. Par son papa et sa mère. Benye nazaliwa kwa nani? Ceux qui sont nés de chez qui? Kwa Abraham. D'Abraham. Tushuke. Okay. Descendant. Kamata verset ya kufuata. Prends le verset qui suit. Genèse 28. Mwanzo makumbi na mnane moja. Ça y est ici. Isaac appela Jacob. Isaac akaita Yakobo. Le béni et lui donna cet ordre. Kamubariki na kumupa agizo hilo. Il ne prendra pas une femme parmi les filles de Canaan. Usitwalake mwanamke katika wa binti wa Kanaan. Lève-toi. Si mama. Va à Padan Aram, à la maison de Betuel. Aramu, kwenye nyumba ya Betueli. Ah. Tushuke chini kidogo. Okay, descendons un peu. Genèse 28:6. Mwanzo makumbi na mnane sita. Isaï vit qu'Isaac avait béni Jacob. Esau kaona jinsi Isaac alibariki Yakobo. Et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Na yakuwa alikuwa amemtuma aende Padan Aram ili achukue mke huko. Et quand le bénissa, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Yakuwa wakati alipombariki alimupa agizo ya kwamba usitoa ake mke katika wabinti wa Kanaani. Il y vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Akaona ya kuwa Yakobo alikuwa meti baba na mama yake. Mtoto akati. Ndiyo. Si unja nenda kuwa baba wa Waisraeli. Mais c'est maintenant lui qui devient le père d'Israël. Amen, amen. Aliti. Il avait obéi. Jacob unjua nenda oa. C'est Jacob qui est parti se marier. Twende sasa umunjua munakuya toka taifa la Israël. C'est de là où provient le peuple ou la nation d'Israël. Jo munakuya toka makabila 12. C'est de là où provient les 12 tribus. Mungu anazitembelea. Dieu les visite. Anazambia la même chose. Il leur dit la même chose. Prenez les écritures. Mutoa maandiko. Prenez pas les choses avec trop de blagues. Deutéronome 7:2. Kumbukumbu la Torati 7:2. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés. Wakati Bwana Mungu wako atakuwa ame wakupatia. Et que tu les auras battus. Na uwe umewapiga. Tu les dévoueras par interdit. Usitwalake vilivyokataliwa. Tu ne traiteras point d'alliance avec
elles. Et tu ne leur feras point de grâce. Na usiwa. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils. Qui les servirait, qui servirait d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Mukisha fika mulinchi ya Kanaan. Amen. Vous serez arrivé en Kanaan. Mufanye hange. Faites attention. Musipane bafie benu kwa bale batu. Ne donnez pas vos filles à ces gens. Na musitwale ba binti yao. Et ne prenez pas leurs filles. Amen. Kubapatia ba garçon. Et leur donnez à vos fils. Amen. Amen. Ili hasira ya Mungu isipande. Pour que la colère de Dieu ne puisse pas monter. Si dienu contre vous. Mie Mungu ni ba malise. Amen. Moi je vais vous exterminer. C'est-à-dire cette chose, même si tu peux te taire, inazushaka hasira ya Mungu. C'est la chose qui levait la colère de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Pastor naweza nyamaza. Le pasteur peut se taire. Kanisa linaweza nyamaza. L'église peut se taire. Mais haide douane hasira ya Mungu. Ça ne dédouane pas la colère de Dieu. Amina. Tu chouke. Descendons. Amen, amen. Quand Branham avait commencé à prêcher ce sujet, il avait dit, je sais que ça va vous faire mal au cœur. Mais c'est le médicament. Et il avait dit, ma maman, quand elle voulait me donner l'huile de raisins, il me disait, sois ferme, ça va faire mal au ventre, mais ça va te guérir. Et puis il disait, et vous aussi, apprêtez-vous, je vais prêcher ces choses. Amen, amen. Et aussi, soyez fermes dans vos cœurs. Si vous voulez cette citation, je vous la donnerai. Je l'ai ici. Elle est là, je n'irai pas là-bas. Si vous êtes en train d'écrire, vous pouvez l'écrire. Ok. Ça vous rend bien malade, peut-être que ça va arranger votre gastronomie spirituelle de sorte que vous puissiez vraiment consommer la parole. Mais vous savez les amis, je vous assure ce soir, et vous jeunes dames, faites attention à la personne que vous épousez. Alléluia. Vous vous retrouverez bien vite avec un foyer brisé. Et il n'est pas bon que des pécheurs et des chrétiens se marient. Ne vous mettez pas sous un joug étranger, car c'est ce qu'il avait fait à Chab. Bon, descendons. Amen, amen. Ok, ça, on est à quoi? Nous sommes au peuple d'Israël. Dieu a interdit. Mungu alikataza. Il a dit non. Kasema apa. C'est à Israël. Ni Israël. Quand Josué arrive, Yeshua anapokuja, il refuse ça. Naye akaikata. Josué 23:11. Yeshua makumi na tatu kumi na moja. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elle par des mariages, si vous formez ensemble des relations, soyez certain que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège. Et un fouet dans vos côtés. Alléluia. Na itakuwa fimbo mumbavu zenu. Et des épines dans vos yeux. Na watakuwa miiba machoni mwenu. Jusqu'à ce que vous ayez péri de ce bon pays que l'Éternel vous donne de kazali. Hadi hapo mutaangamia nyie wote na mvunjwe moyo katika ile nchi ambayo Mungu atakuwa amewaahidia.
Écoutez, écoutez, Église. Amina. Il dit ceci. Si vous aurez la malchance, vous commencez à vous marier avec ces gens. Dieu nous aider à vaincre. Vous irez en train d'être vaincu. Vraiment, c'est vrai. Et ces gens, Dieu va les tourner contre vous. Et ils seront des épines dans vos yeux. Et ça seront des bâtons de fouet dans vos côtés. Et il dit, vous allez manger les fouets dans votre vie à cause de ces choix. Vous payerez. Amen. Et là où tu pensais que tu pouvais avoir la victoire, Dieu ne t'aidera plus pour que tu puisses vaincre. Amen. Échec, échec, échec. Kushindwa, kushindwa, kushindwa. Nehemia nakuya. Nehemi vient. Abamote sibana ba Abraham. Tous ceux-là sont des enfants d'Abraham. Comment on a comme bibliquement déjà se justifier. Vous êtes en train de voir que c'est justifié déjà bibliquement. Dans mon Nouveau Testament d'Abapati. Et dans le Nouveau Testament, je vous donnerai. Kisha tout est dans ma citation. Et puis nous irons dans les citations. OK. Esdras 10, 44. Ezra kumi makumi ine na ine. Tous ceux-là qui avaient pris des femmes étrangères. Wale wote walio watua wanawake wageni. Et plusieurs en avaient eu des enfants. Na wengi walikuwa wamekwisha zaa watoto. À cette même époque. Kwa wakati j'ai ule vu des juifs qui avaient pris des femmes astoniennes, ammonites, moabites. Nikaona Wayahudi ambao walikuwa wametoa wanawake wa Sodoma wa Amoni Astonia, Amoniti na Mamuapi. La moitié de leurs fils parlait l'astonien et ne savait pas parler les juifs. Nusu ya wale wa vijana waliotoa wale wanawake wa Astonia hawakujua tena Kiyahudi. Ils ne connaissaient que la langue tel ou de tel peuple. Wakaanza ongea tu ile lugha ya yale mataifa. Je leur fis des réprimandes. Nikawa hamakia. Je les maudis. Aïe aïe aïe. Nikawa la ani. Et j'en frappais quelques-uns. Nanika piga wa moja wao. Je leur arrachais les cheveux. Nikawa ongoa nywele. Et je leur fis jurer au nom de Dieu. Nanikawa la picha kwa jina la Mungu. En disant. Nikisema. Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils. Musiwa patie binti wa vijana wao. Et vous ne prendrez leurs filles, ni pour vos fils, ni pour vous. Na musitu wake wa binti wao kwa ajili ya vijana wenu na ninyi wenyewe. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Si kwa hiyo, Solomon alitenda zambi mfalme wa Israël. Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Hakukukua mfalme aliye mfanana katika wingi wa mataifa. Il était aimé de son Dieu. Alipendwa na Mungu wake. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Na Mungu alikuwa amemfanya mfalme kwa Israeli yote. Néanmoins les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans les péchés. Lakini sasa wale wanawake wageni wakamuingiza katika mazambi. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez aussi un grand crime péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Eti, je sasa, yafa kufunza. Ngoya. Yafa ni bafundishe. Uyue kama mumefanya mazara makubwa. Amina. Ma crime, ma waji. Ndiyo, ndiyo. Makubwa kwa ku... Zidi ya Mungu wetu kwa kutoa wanawake wageni. Ndiyo, ndiyo. Trefo. Crime. Mazara makubwa. C'est un crime. Ni zara kubwa. Kutoa mwanamke mpagani. Sa uko na biplanifie, uko kama kuna planifie crime. Quand tu es en train de planifier le mariage mixte, sache que tu es en train de planifier un crime. Amen. Contre Dieu. Haiko tena contre El Betel. Ce n'est plus contre l'église. Haiko contre message. Ce n'est plus contre le message. Contre Dieu. Mais c'est contre Dieu. Zidi ya Mungu kwa kutoa mwanamke mpagani. Contre Dieu. Zidi ya Mungu. Ndio.
Si vous allez justifier les choses, justifiez-les en mais si vous avez déjà été enseigné, mais à cause des intérêts de faire marier, vous entrez dans des choses, vous allez comparaître. Amen, amen. Ezra na sema na Nehemie. Ezra et Nehemie disent, je les tape, je les ai maudits, les autres je les avais arrachés les cheveux, je saisis comme ça et je tape les cheveux, les autres je les avais frappés, les autres je les avais maudits, de voir comment ils avaient entré dans cette chose. Amen, amen. Amen. Oh, vous êtes très sévère comment? Moi, j'ai déjà frappé qui comme Néhémie ici? J'ai déjà arraché les cheveux de qui ici? Amen, amen. Mais si vous aviez Néhémie comme pasteur, il devrait vous exterminer tous. Amen. 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 Celui qui va aller se marier en dehors de la foi, c'est quelqu'un de placer là et vous le fouettez, vous le maudissez et vous le chassez. Et vous l'arrachez les cheveux. Et vous lui dites, sors. Donc les gens qui méritent cette malédiction. Maintenant, et ceux qui sont. Et ceux qui sont associés à cela, est-ce qu'ils vont échapper? Un prophète qui rouge. Nabi Anae Gazibika. Le prophète dit, il est wakati, ce temps-là, akarugi. Il avait rougi. C'est ce monsieur que nous venons de dire. Un prophète qui rougit. Nabi Anae Gazibika. Paragraphe 7. Ntaji wake wa saba. Okay. Et pendant le règne d'Ezra, wakati wa utawala wa Ezra, les enfants d'Israël avaient rétrogradé. Wana wa Israël walikuwa wameanguka. Uyo Ezra mwenye tumesoma. Ezra dont nous venons de lire. Donc relier les versets na citation. Donc relier les versets et la citation. Ils étaient allés prendre des femmes moabites. Walikuwa wameenda tu wanawake wa Moabu. Ils ont pris des amoréennes. Wakatoa wa Amori. Et des phéréziens. Na wa phérizi. Et celles de plusieurs autres nations. Na wakatoa wa binti wa mataifa mengine. Non seulement ils les avaient prises en mariage. Si kwamba tu walikuwa wamewaoa. Mais ils commettaient la fornication et l'impureté entre eux. Walikuwa waki sharati wakifanya mambo ya buchafu pamoja nao. Suyant ainsi le sang même qui est la vie. Wakichafua hata damu ambayo ina uzima. Et c'est bien là l'image de nos églises d'aujourd'hui. Na ndio picha sasa ya makanisa yetu ya leo. Ndio ile mfano ya maeglise zetu leo. C'est le type de nos églises d'aujourd'hui. Mungu Baba. Est-ce que mon appel yetu ikwe vile? Est-ce que vous voulez aussi que la nôtre soit comme ça? La façon dont elle tombe anguka, et va au-delà de la ligne de démarcation à l'ancienne mode que Dieu a tracé pour l'église. Les préceptes par lesquels nous devrions vivre. Kanuni ya kwamba hatungelipashwa ishi. Kanuni zenye sisi tungepashwa kuishi kwazo. Tulipashwa kuishi nazo. L'église commet la fornication avec le monde. Kanisa linafanya usharati na dunia. Elle s'est intéressée au monde et elle a commencé à flirter dans le monde. Lili zoea sana dunia na likaanza rafikiana nayo. Écoutez-moi. Sikia. Nisikie. Amen, amen. Écoutez-moi. Ça me nasema ki France, Kiswahili. Quand je dis le Swahili, on angoya tout tu sais même. OK. Mna yo jua nini? Tuko na mikro tatu. Nous avons trois micros. Si l'un interfère avec l'autre, quand on nous parle les Français, vos trois micros font l'interférence. Suivons. Il dit ceci. Dieu trace une ligne.
inavuka. Et ça va donner. Anabambia, munaweza chezea kule. Et il vous dit, vous pouvez jouer ne, à partir. Msivuka ke huko. Mais il ne faut pas traverser de l'autre côté. Munaweza wana kule. Vous pouvez vous marier là-bas. Mais msivuke huko. Mais ne traversez pas ici. Aseme, makanisa zetu leo. Maintenant nos églises aujourd'hui. Kwenye baliambia kwezi na chezea. Là on leur avait dit de jouer. Zilisha sauté. Ils ont déjà sauté la ligne. Nani mustari gani? Et c'est quelle ligne? Yanema. C'est la ligne de démarcation de la grâce. Yenye Mungu alisha tracé. Que Dieu avait tracé lui-même. Kumesani kuna prêcher hivi. C'est-à-dire quand j'ai prêché. Niko nakata tena kistari. Je suis encore de retracer la ligne. Niko nabaletia kwenye kistari kiko. Je passe là où la ligne est. Niko nabaonyesha ma frontière. Je vous montre les frontières. Mwenye atazivuka. Celui qui va les traverser. Luake. Ça le regarde. Celui qui ira prêcher le contraire pendant qu'il n'a pas de citation, ça le regarde. Maintenant, ces gens étaient déjà tombés. Et ils ont marié les Moabites, les Cananéennes et les Pharisiennes. Amen. 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 Pole, pole. Lentement. Pole, pole. Lentement.